Hi everyone, you're welcome to the Wives Retreat in Mbafusam, organized by Praying Wives. It is under the theme, A Helper After God's Heart. Be blessed as you watch. This is just a summary of what happened. We are with Reverend Tabe Pascal, the founder of Praying Wives. Please watch and be blessed. Let us pray that God will reactivate
Of your being a member.
branchant de son voyage. Satan is a bachelor. Satan est un célibataire. Yes, from generation to generation is a bachelor. De génération en génération, c'est un célibataire. And he want to recruit everybody in his clan of bachelor. Tout le monde dans son célibat. So today like this, you want to tell him that he's alone. Amen. 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 We, you know, Jesus, we are the bride of Christ. L'épouse de Christ. You see, Satan is so jealous of marriage. Satan est tellement jaloux du mariage. That even your marriage with Christ is fighting it. Même ton mariage, il combat. With Christ. Avec Christ, il combat. He fights your marriage with your husband. Il combat ton mariage. Fight your marriage with Christ. Il combat ton mariage avec Christ. But him and his demon. Mais lui et ses démons. They are alone in their car. Ils sont seuls dans leur car. You will not divorce. You will not divorce. I say you will not divorce. Jesus. And for you who came here single, you will not marry the wrong person. In the name of Jesus, you will not marry someone that will take you out of God. Yes. Praise God. Amen. Yesterday during our prayer, praying wives. Yeah, dans notre prière, but our praying wives. I feel like going there. Je me sens envie de partir là-bas. I told the women. J'ai dit aux femmes. You know, in your marriage. Dans ton mariage. There is a time in your marriage. Il y a un moment dans ton mariage. Where the devil anoints an angel. Où le diable oint un ange. To come and distract you. Pour venir te distraire. You know, if there is something that I cannot brag about it. S'il y a quelque chose sur laquelle je ne peux pas me vanter. But that makes my strength. Mais qui fait de ça? Qui fait ma force? All these girls know plus now Annabelle. I am. Toutes celles qui connaissent plus Annabelle, je suis véridique. If I commit adultery now, I'll tell you. Si j'ai commis l'adultère maintenant, je vous dirai. I am not that kind of pastor that said that since I gave my life to Christ, I'm holy. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui dit que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je suis saint. Jamais. Non, jamais. Because I believe that by where God has rescued me first. Parce que je sais que Lord Dieu m'a racheté. I can help somebody. Je peux aider quelqu'un. Amen. So I told them. Je leur ai dit. That there is a time in your life. Il y a un moment dans ta vie. Maybe you dress. You see, Mama is beautiful. Vous voyez comment Mama est belle. Imagine as she dressed like this. Imaginez qu'elle s'habille comme ça. On ne peut pas désordonner un œil abusé. Et papa ne lui dit pas qu'elle est belle. Il y a une time là qui vient dans ma vie. Il y a un moment comme ça venu dans mon mariage. I would dress. Je m'habillais. Perfume. Je me parfumais. And my husband won't say anything. Et mon mari ne disait rien. I will go to work. Je partais au travail. Je rentrais. Nothing. Rien. And I see that anointed an angel. Et Satan a oint un ange. He will come. Il venait. Il dit, ah, my sister, ma soeur. When I'm saying that when Satan anoint angel, don't think that it's unbelievers. Quand je dis que Satan oint un ange, il ne faut pas que c'est un païen. So today, like this, don't open your eyes. You will see all the anointed angels. Me disait, your earring is nice. Ah, tes boucles d'oreilles sont belles. How you good look through my earring? Comment tu vois mes boucles d'oreilles? Do men stand like this and look at you and look at your earring? Est-ce qu'un homme peut se tenir et regarder tes boucles d'oreilles? Simplement. Simplement. Et j'écoutais. And the Lord help me. Jusqu'à ce que l'Éternel m'aide. You know when Satan wants to bring you out of your marriage, it's by words. It's not by words. Quand Satan veut te faire sortir de ton mariage, c'est pas les paroles. Dis-nous ça bien. It's by words. C'est pas des paroles. So today, alors aujourd'hui, I'm putting a sieve in your ears. Je mets un tamis dans tes oreilles. Whenever Satan will speak to you, à chaque fois que Satan va te parler, your ears will sieve it. Tes oreilles vont tamiser cela. In the name of Jesus. So today, alors aujourd'hui, I just want your attention. That's what made you laugh. Je voulais votre so take your pen, take your Bible. Vous ai fait let's go to the Word prenez of God. Prenez vos cahiers, vos Bibles, allons dans la parole de Dieu. Amen. So the theme of our retreat today. Le thème de notre retraite aujourd'hui. Is a helper after God's heart. C'est une aide selon le cœur de Dieu. When Drusilla was presenting the vision. Quand Drusilla présentait la vision, she said, elle a dit, that as praying wives, en tant que praying wife, we believe, nous croyons, that when God created marriage, que quand Dieu a créé le mariage, he had something in mind. Il avait quelque chose en pensée. Amen. So if
He said, s'il a dit, it's not good for man to be alone. Qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. I will make him a helper. Je ferai de lui une aide. It means that he had something in his mind concerning you as a helper. Cela signifie qu'il avait quelque chose en pensée te concernant comme une aide. And it is at your own advantage. Et c'est à ton avantage. For you to know what God had in his mind. Pour que tu saches ce que Dieu a en pensée. And for you to fulfill it. Pour que tu puisses accomplir cela. Amen. Amen. God doesn't want you to be a helper. Dieu ne veut pas que tu sois une aide. According to what your mother told you. Selon ce que ta mère t'a dit. You know, your mother told you. Ta mère t'a dit. All men are cheats. Que tous les hommes sont des trompeurs. Yeah. Yes. So even if he goes out. Même si il sort. Don't make sure so when he come back he get a job. Rassure-toi que quand il rentre, il est en manger. Because there is nothing you can do. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire. But that's not what the Bible says. Yeah. C'est pas ce que la Bible dit. Because what your mother told you. Parce que ce que ta mère t'a dit. Was to help you. Was to tell you. C'était pour te dire. That you must be the helper of a cheat. Que tu dois être une l'aide d'un adultère. But the word of God does Dieu not want you to be the helper of the cheat. Je veux pas que tu sois une aide d'un adultère. The word of God wants Dieu you to be the deliverer of a cheat. Je veux que tu sois la celle qui délivre l'adultère. Do you hear what I said? Tu n'as pas compris so ce que j'ai dit. When the society is giving you advice, quand la société te donne des conseils, that all men, you can. Or have you seen a man who has only one woman? As-tu déjà vu un homme qui a une seule femme? The word of God is still teaching you. La parole de Dieu t'enseigne. How to help a man? Comment aider un homme to have only one woman? Pour avoir une seule femme. Praise God. Hallelujah. So this evening, ce soir, we must know. Nous devons savoir the mind of God, la pensée de Dieu, the heart of God, le cœur de Dieu, and fulfill it, et l'accomplir. Praise the Lord. So Father, this moment, Père, ce moment, I give my heart to you. Je te donne mon cœur. I give my mind to you. Je te donne ma pensée. Speak to us. Parle-nous in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. So who is a helper? Qui est c'est quoi une aide? Who is a helper? Qui est une aide? You know, we usually say, nous disons habituellement, that the woman, que la femme, is a weaker vessel, est un vase faible. Yes, the word of God says it. Oui, la parole de Dieu le dit. But how can I be weak and help at the same time? Comment pourrais-je être faible et aider au même moment? It's very important for you as a woman to know this balance. Il est très important en tant que femme de connaître cet équilibre. How can you be a weaker vessel? Comment peux-tu être un vase faible and at the same time? Et au même moment, God is calling you a helper. Dieu t'appelle une aide. But I want to say something here. Mais j'aimerais dire quelque chose. It is Peter. C'est Pierre. Who said that you are a weaker vessel? Qui a dit que tu es un vase faible? God, Dieu, in creating you, en te créant, God will help. Hallelujah. Aide. Thank you, ma. Are you hearing me? Yeah. So whatever you must hold on to, quel que soit ce sujet laquelle tu dois t'approcher, is what God said about you. C'est ce que Dieu dit à ton sujet. Are you getting what I'm saying? Because it is, you know, we are in the Bible. This church, I believe, the man of God is a very profound teacher of the word of God. L'homme de Dieu est un enseignant très profond. And he himself can tell you. Et lui-même peut te dire. When you read the Bible, quand tu lis especially the epistles, spécialement les épîtres, you must discern. Tu dois discerner between the mind of the person who wrote, entre la pensée de la personne qui a écrit, and the mind of God, et la pensée de Dieu. It's very important. C'est très important. So before you begin to tell your husband, avant de commencer à dire à ton mari, the Bible said that you should treat me well. La Bible dit que tu dois bien me traiter. I am a weaker vessel. Je suis un vase faible. Who called you weaker vessel? Qui t'a appelé vase faible? It's Peter that called you weaker vessel. C'est Pierre qui t'a appelé vase faible. Et même si you are a weaker vessel, tu es un vase faible, he was mostly talking about your emotional part because you are more emotional than man. Il parlait plus de tes émotions parce que tu es plus émotionnel que l'homme. Amen. So who is a helper? Alors, qu'est-ce que c'est quoi une aide? A helper, une aide, is someone, c'est quelqu'un, who has the strength, qui a la force, where you are lacking. Là où tu manques. Is someone who has what? C'est quelqu'un qui a strength, la force, where you are lacking. Là où tu manques.
So it's not just somebody who has the strength. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a la force. The person is your help. La personne est ton aide. Because you lack something. Parce que tu manques quelque chose. And you, the person is bringing it. Et la personne apporte cette chose. So when God created woman, quand Dieu a créé la femme, he saw that man was lacking something. Il a vu que l'homme manquait quelque chose. And it is the lack of man. Et c'est le manque de l'homme that motivated your creation. So I want to now to tell all of you. J'aimerais vous dire. Why saying that? Why are they talking only marriage to women? Why are they not talking to men? Ils disent que pourquoi on parle seulement du mariage aux femmes et pas aux hommes? Is that the purpose for which you were created? C'est que le but pour lequel tu as été créé. Was that man? C'était cet homme. He was created for work. Lui il a été créé pour le travail. You were created to help. Toi tu as été créé pour l'aider. So there is something that was lacking in him. Il y a quelque chose qui manquait en lui. And God created you to fill it. Et Dieu t'a créé pour l'accomplir. Pour combler cela. Yes. Praise God. So it is important. Alors c'est important to understand this. De comprendre. And I also want to give you an answer to a question. J'aimerais te donner une réponse à une question. You will usually say, toi qui dis habituellement, that, no matter what I'm doing, qu'importe ce que je fais, this man does not understand me. Cet homme ne me comprend pas. Do you know why there are some things about you God does not, the man does not understand? Sais-tu pourquoi il y a des choses à ton sujet que l'homme ne te comprend pas? When you will understand, quand tu vas comprendre, how God created you, comment Dieu t'a créé, you will not be fighting for your husband to understand. Tu ne vas pas bagarrer pour que ton mari te comprenne. Because you were created when you were sleeping. Parce que tu as été créé quand il dormait. How can somebody who is sleeping can have reason? Comment quelqu'un qui dort pas peut raisonner? He was sleeping. Il dormait. The Bible says it. La Bible God dit, put him not into a sleep. Dieu ne l'a pas mis seulement dans into a deep sleep. Il l'a mis dans un so if you have to translate it, he was coma. Il était dans le coma. Somebody was in coma. Quelqu'un qui est dans le coma. You wake up every day. Tu te lèves chaque jour. He doesn't understand. Il ne me comprend cannot. Pas. Il ne peut pas. Are you delivered? Est-ce que tu es so as you are leaving this place today, alors que tu vis cet live with the mentality qui t'avait la that mentalité. He will not and he cannot. Il ne peut pas et il ne va jamais. You know why? Tu sais pourquoi? Because it's only when you will be fulfilling. Parce que c'est seulement quand tu vas accomplir who you are, qui tu es, that he will look at you, qui va te regarder, and he will see that it is that place that was taken as fulfilled. Et il va voir que ce côté qui a été enlevé est maintenant comblé. Amen. Amen. The woman was created. La femme a été créée when the man was sleeping. Quand l'homme dormait. But when you read Genesis chapter 2, mais quand tu lis Genèse chapitre 2, verse 21 and 23. Versets 21 et 23. From 21 to 23. De 21 à 23. The Bible says. La Bible dit. And God brought. Et Dieu a amené. And God brought. Et Dieu a amené. Eve to man. Eve à l'homme. And man saw her. Et l'homme l'a vu. And said. Et il a dit. This is now. Voici maintenant. So if you know that everything is scripture. Has his place. Tout dans les écritures ont sa place. Mama Eliane. Mama Eliane. It is not for nothing. Ce n'est pas pour rien. That the Bible says. Que la Bible dit. And God brought. Et Dieu a amené. Eve to man. Eve à l'homme. If you want your husband to love you. Si tu veux que ton mari t'aime. Allow God to bring you to him. And let Dieu t'amener vers lui. If you bring yourself, si tu t'amènes toi-même, you'll be frustrated. Tu seras frustré. So, tu n'es pas venu ici. I did not come here. Je ne suis pas venu ici. To tell you, pour te dire, the way to a man's heart. Comment? The way to a man's heart. Vers le cœur de l'homme. Is his stomach? C'est son ventre. And under here. C'est son bavre. Non. The way to a man's heart. Le chemin vers le cœur de l'homme. Is the woman who has her hand in the hand of God. C'est la femme qui a la main and dans God, la main de Dieu. And God is bringing her into her husband. Et Dieu l'amène vers son mari. When the woman went to her husband. Quand la femme est partie vers son mari. When God brought her. Quand Dieu l'a amenée. She did not say anything. Elle n'a rien dit. She did not put short. Elle n'a pas mis les coups de jus. So I want to tell you that when he's angry, je ne te dis pas que quand il est fâché, wear something short. Apporte quelque chose. Que I see something is hanging somewhere. Comme si quelque chose a. Clash like this. Monte comme ça.
You will stand there. My husband. If he can't give you my car, you will stand there. Calm down. Welcome. Continue what you are doing. Praise God. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. I said you wear kaba. Je dis tu portes le kaba. And you continue what you were doing. Et tu continues ce que tu faisais. But when it is God, mais quand c'est Dieu, that is bringing you into His heart, qui t'amène vers son cœur, He cannot resist you. Il ne peut pas te résister. I said that you know what? J'ai dit ne peut pas quoi. Proverbe chapitre 31 verset 30. Proverbe chapitre 31 verset 30. Says, dit, beauty is vain. La beauté est vaine. La beauté est vaine. Charm is deceitful. Et le charme est trompeur. But the woman who fears the Lord. Mais la femme qui craint l'Éternel shall be praised. Sera louée. Listen, écoute. If your heart, si ton cœur it's with the Lord, est avec l'Éternel, your husband will come in the morning. Ton mari va se lever le matin. Father, thank you. Père, merci pour ma femme. He will sleep in the night. Il va dormir le soir. He said, Father, in blessing me, il dit, Père, en me bénissant, you really bless me. Tu m'as véritablement béni avec une épouse. Because it is not your. Do you know what? Tu sais quoi? If, si, you really fear the Lord, tu crains véritablement l'Éternel. Because God knows, parce que Dieu se connaît, that what pleases my husband, que ce qui plaît à mon mari, does not necessarily please her husband, ne plaît pas nécessairement à son mari. When you will be building your intimacy with God, quand tu seras en train de bâtir ton intimité avec Dieu, God will give you specific instructions. Yeah. Dieu va te donner des instructions spécifiques. Yeah. To be able to touch your husband's heart. Pour être capable de toucher le cœur de ton mari. I will not stand here and tell that 10 ways into a man's heart. Je ne vais pas vous me tenir si vous dites 10 moyens pour atteindre le cœur d'un homme. There is only one way to a man's heart. Il n'y a juste que un chemin pour le cœur de l'homme. C'est Dieu. Are you getting me? Est-ce que tu m'entends? So if you want to be a helper after God's heart, si tu veux être une aide selon le cœur de Dieu, strengthen your intimacy with God. Fortifie ton intimité stay avec Dieu. Stay connected with God. Reste connecté à Dieu. Because you cannot function. Parce que tu ne peux pas fonctionner without Him. Sans lui. Amen. Amen. If you want to be a helper after God's heart, si tu veux être une aide selon le cœur de Dieu, hear only God. Entends seulement Dieu. What did I say? Qu'est-ce que j'ai dit? Hear only God. Hear only God. Entends seulement Dieu. Hear only God. Entends seulement Dieu. Am I saying that you should not hear me? Est-ce que j'ai dit que tu ne vas pas entendre en écoutant les hommes? In hearing men. En écoutant les hommes. Know when it is God. Tu saches quand c'est Dieu. So don't just hear any marriage counselor. They say that marriage seminar, you run. N'entends pas seulement tout conseil marital. Quand on dit séminaire de mariage, tu cours. This, you run. Tu cours. When you go there, quand tu pars là-bas, hear God. Écoute Dieu. Because, parce que, the first marriage, le premier mariage, God destroyed. Dieu a détruit. God destroyed. Dieu s'est détruit. Détruit. Because, à cause, the woman did not hear God. Parce que la femme n'avait pas entendu Dieu. She heard the devil. Elle a entendu le diable. And she wanted. Elle voulait to mix God and the devil. Elle voulait mélanger Dieu et le diable. And about 3 days. Cela 3 jours. Or 4 days ago. 3 ou 4 jours. God gave me a vision about this. About many marriages. Dieu m'a montré une vision. I think I shared with you, Annabelle. Je pense que j'ai partagé avec Annabelle. And in saying this, I want to tell you something. En le disant, je vais te dire quelque chose. If you say, si tu dis, that you have given your life to God, que tu as donné ta vie à Dieu, be really born again. Sois véritablement né de nouveau. Okay. Don't mix marabout and God. Ne mélange pas les marabouts et Dieu. I'm speaking in English, but I am Bamileke and Bagande. Je parle en anglais, mais je suis so Bamileke. I am your sister. Alors je suis we understand ourselves. On se comprend. So you cannot say, tu ne peux pas that dire you are born again. Que tu es né de nouveau. That my heart is with God. Que mon cœur est avec Dieu. But when we enter your house, mais quand on entre chez toi, there's still jujube. Il y a toujours les jujubes. There is still
l'arbre de paix. Il y a encore l'arbre de paix. There is still those things. Il y a encore ces choses. All those things. If you know that there are, those things are still in your life or in your back, free yourself from them. Si tu sais que ces choses sont encore dans ta vie, dans ton sac, libère-toi de them. So that you will see the glory of God in your marriage. Afin que tu vois la gloire de Dieu dans ton mariage. Amen. You don't mix God with anything. On ne mélange Dieu avec rien. You don't mix God with anything. Tu ne mélanges Dieu avec rien. God is God sovereign. Dieu est souverain. Amen. Hear only God. Écoute seulement Dieu. Hear only God. Entends seulement Dieu. So we are going to see. Nous verrons. Who is a helper after God's heart? Qui est une aide selon le cœur de Dieu? Amen. Who is a helper after God's heart? Qui est une aide selon le cœur de Dieu? First. Premièrement. A helper after God's heart. Une aide selon le cœur de Dieu. Is a woman. C'est une femme. Who has understood her purpose in the life of her husband. Qui a compris ses buts dans la vie de son mari. Genesis chapter 1, chapter 2, verse 18. Genèse chapitre 2, verset 18. I want us to read Amplified version. J'aimerais qu'on lise la version amplifiée. Amplified. Yes. Genesis 2, verse 18. Genèse chapitre 2, verset 18. And this is the version. Et c'est la version that brought total deliverance into my marriage. Qui a apporté une délivrance totale dans mon mariage. Because I was at the verge of breaking everything. Parce que j'étais sur le point de tout briser. And I took a retreat and went to Boya. J'ai pris une retraite, je suis allé à Boya. And God told me, open your Bible. Et Dieu m'a dit, ouvre ta Bible. And he taught me what I'm about to tell you. Et il m'a enseigné ce que je suis sur le point de vous dire. Genesis 2, 18, Amplified Version. Genèse chapitre 2, verset 18. Now the Lord God said. Now the Lord God said. It is not good. It's not good. Beneficial. It's not good. Il n'est pas bon. What? Premièrement. Beneficial. Bénéfique. Bénéfique. Yes. For the man to be alone. Pour qu'un homme soit seul. You know, un homme d'être seul. You know how we do this thing. It's not good. Ce n'est pas bon. It's not beneficial. Ce n'est pas bénéfique. So it means that. Cela signifie que. Look at Prophet Jonathan. Quand Dieu a regardé le prophète Jonathan, he said, it's not in his interest. Il a dit, ce n'est pas dans son intérêt. Yeah. Because when he said it's not beneficial, c'est quand il dit que ce n'est pas bénéfique. It means that it is not in your interest. Cela veut dire que ce n'est pas dans ton intérêt. So it means that it is detrimental to you. Alors cela veut dire que c'est mauvais pour toi. It is detrimental to you. C'est mauvais pour toi. Yeah. For what? For the man to be alone. Uh-huh. So it is not in his interest. Alors ce n'est pas dans son intérêt. It is destructive. C'est destructif. For him to be alone. Pour qu'il soit seul. Come on. I will make him a helper. I will make him a helper. Yes. One who balances him. One who balances him. One who balances him. Celui qui l'équilibre. So it means that. Cela signifie que God brought you into the life of that man. Dieu t'a mené dans la vie to bring balance. Pour apporter les so God looked at him. Dieu l'a regardé. Yes. God saw that there was no balance. Il a vu qu'il n'y avait pas d'équilibre. He cannot stand. Il ne pouvait pas se tenir. You know when you don't have balance. Quand tu n'as pas d'équilibre. Can you stand? Est-ce que tu peux te tenir debout? When you are dizzy. Quand tu as les vertiges. Can you stand? Est-ce que tu peux te tenir? When you are dizzy. Quand tu as les vertiges. What is your first reflex? Quel est ton premier réflexe? Either to sit down. Soit tu t'assois. Or to walk. Ou tu t'accroches sur quelque chose. Either to sit down or to do what? Soit tu fais quoi? Because when you sit down, c'est quand tu t'assois. Yes, your balance comes. Oui, ton équilibre revient. But when you hold on to something, quand tu t'accroches sur quelque chose, you really have the understanding. Tu as vraiment la compréhension. That it is this thing. Que c'est cette chose. That is helping me to stand. Qui m'aide à me tenir. That's right. Yeah. I hope somebody just understood what I'm saying. Yeah. C'est vrai de comprendre ce que j'ai dit. So you brought balance. Alors tu apportes l'équilibre. All of you who are still single. Vous tous qui êtes encore célibataires. You are blessed. Vous êtes bénis. To hear these things now. D'écouter ces choses. Because there are some things that I know now. Parce qu'il y a des choses que je connais maintenant. If I knew them then. Si je les connaissais avant. You see this thing about purpose, you must know it now. Ces choses au sujet des buts, vous devez les connaître maintenant. We're going to it. Nous allons y aller. A counterpart who is suitable and complimentary for him. Okay. Who is suitable? Qui est agréable.
convenable. Qui est convenable. Ok. When they say, quand on dit, something can suit. Quelque chose peut suffire. Yes. It means that. Cela signifie que there is the two ends. Cela signifie que les deux bouts are identical. Sont identiques in the way that it can fit it. De telle manière qu'elles peuvent se suffire. Amen. Mm-hmm. Et une autre version amplifiée said, dit adapted. Adapté. Okay. So it means that cela signifie que a helper, une aide, he said, I'll make it a helper adapted. Je ferai d'elle une aide adaptée. Yes. What does that mean? Qu'est-ce que cela it signifie? Means that help, cela signifie que cette aide, that come to correspond to a particular need. Qui vient correspondre à un besoin particulier. I want to tell a woman here. J'aimerais dire à une femme ici. You are a helper after God's heart. Tu es une aide selon le cœur de Dieu. When you know the needs, quand tu connais le besoin, you were called to fulfill in your husband's life. Le besoin pour lequel tu as été appelé pour accomplir dans la vie de ton mari. That portion of scripture. Ce passage. Did not specify the kind of help the woman will bring. N'a pas spécifié le genre d'aide que la femme va apporter. So in some homes, alors dans certains foyers, the woman, la femme, can be the spiritual help. Peut être l'aide spirituelle. Yes. Okay. In other homes, dans d'autres foyers, she can be the emotional help. Because you are getting married to a man who was rejected and abandoned by everybody, and he needs somebody that can show him love. Il a besoin de quelqu'un pour lui montrer l'amour. In other homes, dans d'autres foyers, I hope you will say amen. Amen. You can be the financial help. Amen. 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 So a woman after God's heart. Alors une femme selon le cœur de Dieu. Is the woman who est la femme that in her intimacy with God. Qui dans son intimité avec Dieu. Understood. A compris her purpose. Son but into a man's life. Dans la Amen. Vie d'un homme. Amen. What am I solving as problem in his life? Qu'est-ce que je résous comme problème dans sa vie? Listen. Écoute, if you were called, si tu as été appelé to be the emotional help, pour être l'aide émotionnelle, and every day you buy him dress, et chaque jour tu achètes des habits, you give him things, tu lui donnes des choses, yes. You tell everybody, tu vas dire à tout le monde, with all the things I'm doing for this man, avec tout ce que je fais pour cet homme, he's ungrateful, il est ingrat. You go to the pastor, you will cry. Tu vas partir chez le pasteur, tu vas pleurer. Meanwhile, the only solution. Alors que la seule solution is that you should under that when your husband is coming like that. C'est que quand ton mari vient, you just want you that you should hug him. Il veut seulement que tu l'embrasses. You sit with him. Tu t'assois avec How lui. How was your day? Comment était ta journée? Oh, this my colleague. This oh, tes collègues m'ont dérangé. Hey, tous tes collègues are very wicked. Il dit ah, tes collègues là sont très méchants. Mon mari ne te soucie pas. Ne te soucie pas. All will be well. Tout ira bien. When you are called to be that kind of help, quand tu es appelé à être ce genre d'aide, and when your husband comes, et quand ton mari vient, you say, tu dis, Mary, Marie, où y a Bacho? Va proposer un chat à ton père. Il n'y a pas le gaz. He comes back. Il rentre. On a pas le job. Votre papa a mangé. He comes back. You don't ask him how was his day. Tu ne lui demandes pas comment était sa journée. And you tell everybody. Et tu vas dire à tout le monde. How wicked your husband is. Combien méchant ton mari est. Your husband is wicked. Ton mari n'est pas méchant. Your husband is wicked. C'est toi qui es méchant. Because you are causing him harm. Parce que tu l'amènes des problèmes. Tu le blesses. Either instead of causing him good. Au lieu de le bénir. Amen. 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 So I want to tell you today. J'aimerais te dire aujourd'hui. That whether you were married in Christ, que tu sois marié en Christ, or out of Christ, ou hors de Christ, there is a purpose. Il y a un but. Amen. Do you hear what I say? Est-ce que tu so even if you were married out of Christ,
même si tu as été marié en Christ, now you are in Christ. Maintenant tu es en Christ. Ask God. Demande à Dieu. What is my purpose? Hey. Quel est mon but in the life of this man? Dans la vie de cet homme. And God who is faithful. Et Dieu qui est fidèle. And who is also your father. Et qui est également ton père. Will tell you. Te dira. Amen. 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 Second man after God's heart. Une femme selon le cœur de Dieu. Is a woman. Est une femme who has the heart of God. Qui a le cœur de Dieu. Yeah. Do you hear what I said? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? It's a woman who does what? C'est une femme qui a quoi? Who has the heart of God. Qui a le cœur de Dieu. Amen. You need to understand. Tu dois comprendre. That as a woman, as a wife. En tant que femme et épouse. The first, the only foundation. Le seul fondement of your love towards your husband. De ton amour envers ton mari. Is 1 Corinthians 13. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. You must love your husband. Tu dois aimer ton mari. With the love of God. Avec l'amour de Dieu. That love. Cet amour. Never finish. Ne finit jamais. That love does what? Cet amour ne fait pas. Never finish. Ne finit jamais. You know, I remember one day. Je me souviens un jour. This girl told me. Cette fille m'a dit. I don't love. I'm not loving my husband again. Je n'aime plus mon mari. Je lui ai dit va lire la Bible. If you love your husband as God wants. Si tu aimes ton mari comme Dieu veut. That love. Cet amour. Never fails. Ne faillit jamais. So if you love your husband, si tu aimes ton mari, first, premièrement, as somebody, comme quelqu'un, for who Jesus died to, pour qui Jésus est également mort. Because some of you are coming to church, your husband is not coming to church. Parce you come to. Certains d'entre vous qui venez à l'église, vos maris ne viennent pas. You want to threaten us with your salvation. Tu veux nous traiter avec ton salut.